Nous sommes dans le printemps du Giron, c'est donc pour les thématiques sur l'habillement, les foulards, donc, la manière dont le vêtement donc chez les Africains, donc surtout chez les Africains, les képis donc traditionnels pour les hommes et cette symbiose avec donc la lumière et l'environnement. Donc, pour ça, elle tenait donc beaucoup à montrer ça, que ça aussi c'est de l'art. Donc, c'est une forme de corrélation avec donc, l'environnement. Donc, elle avait fait donc ce thématique sur foulard et bonnet. Foulard et bonnet, donc en milieu sourd. Et il avait produit investi ça. Et aussi sur les outils traditionnels. Les outils traditionnels, ce qu'on appelle farfamé, je ne sais pas, comme calabasse. Hein, les sauts, c'est une forme de note qui est tissée dans le cadre. Et tous ces instruments qui sont partis donc, du vécu et du quotidien naturel, je ne parle pas de ce qui a été industrialisé, des produits manufacturés. Donc, c'est des choses que les gens font donc, dans notre milieu traditionnel. Aussi bien, parce que le soninké n'est pas. Il faut que j'insiste sur ça. Le soninké n'est pas une technique. Au départ, le soninké, c'est Assouani, c'est tout le monde. Ça, c'est une langue. C'est la langue d'Assouani. C'est le Wolof, c'est le Dogon, c'est le Bambara, c'est le Bon. Quand vous introduisez donc sur ces points-là, vous allez vous retrouver avec donc, une unité culturelle. C'est une unité culturelle donc, ancienne. Donc c'est ça l'Assouani. Donc c'est pour le monde. Donc nous ne sommes pas ici donc, pour ça. Et elle le savait parce qu'elle est archéologue. Elle a fait donc des travaux. Donc en Amérique du Sud, donc très longtemps même, pour l'Amérique du Sud, donc, pour retracer donc, les traces, les marques culturelles que nous avions donc, du Sahara jusqu'au donc dans cette situation. C'est ça, c'est pourquoi nous sommes venus ici comme l'affection.